la lecture de ce programme très équilibré. Alors, nous aurons l'intervention de notre CEO de M Group, en l'occurrence M. Mori Moula, le boss, qui tout à l'heure va vous adresser quelques mots à l'endroit de cette belle orchestration et surtout cette cérémonie, et qui sera suivi également des échanges entre les journalistes et le CEO. Et à la clé, nous aurons droit aussi à la coupure du ruban par le CEO et l'artiste en question qui est lauréat de l'édition 2018 des Prix Mus, en l'occurrence M. Serge Benoît, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Et le tout sera couronné par un cocktail debout. Infiniment merci, merci de votre présence et surtout merci de montrer à l'endroit de cette maison votre disponibilité. Et grâce à vous aujourd'hui, la maison a une image, a une crédibilité à l'endroit de tous ceux qui se disent dans les journaux ou entre les lignes. Alors la preuve est là et nous sommes très contents et très honorés de vous compter parmi nos illustres invités. Alors pour entrer dans le vif du sujet, je vais introduire le CEO de M Group que je vais vous demander de bien vouloir applaudir, M. Soumaoro Mori Ferré, dit le boss, s'il vous plaît. Bonjour dames et messieurs, chers amis de la presse, les artistes, mon équipe, notre partenaire MTN qui est représenté ici par M. Sungalo qui est un frère. Nous venons aujourd'hui en tout cas partager une bonne nouvelle pour la musique urbaine en Côte d'Ivoire. C'est dire que avec des cérémonies, avec des activités, avec les artistes quand ils se mettent au travail qui ont un talent, on peut acquérir de grandes choses. Ça se passe par les œuvres, ça se passe sur des scènes, mais aussi derrière, quand il y a un travail qui est abattu, on fait les efforts qu'il faut pour pouvoir honorer les artistes de chez nous et aussi d'ailleurs. L'an dernier, dans une cérémonie très émouvante, intéressante, très chaude émotionnellement, il y a un vainqueur qui a été déclaré via les votes SMS et les votes du jury ainsi que les votes internet. Et bien sûr, les votes SMS, on les reçoit sponsor officiel MTN. Et donc, Serge Benoît a été déclaré vainqueur. Et donc, ni MTN ni Serge Benoît ne sont des promoteurs immobiliers. On souhaite le devenir peut-être ainsi, Dieu nous donne l'envie, si on peut s'en sortir dedans. Mais on a fini par avoir la clé et nous allons mettre à disposition du gagnant la maison officiellement qu'il a gagné. On ne va pas faire beaucoup de commentaires dessus. Nous, on savait tous, en tout cas nous, on est au niveau du festival 23, 24, 25 août et le 1er septembre, encore comme chaque 1er septembre, on va faire la cérémonie des premiers et il y aura une maison en jeu encore. Donc, je n'ai pas grand chose à ajouter. Vous allez pouvoir faire les images et voir. Et je voudrais remercier tous nos partenaires, en tout cas, qui ont fait en sorte que cela soit possible. Je remercie aussi mes collaborateurs avec qui ont travaillé. Je vous remercie, vous, la presse, parce que sans l'alliance qui ne dit pas son nom que nous avons, sans votre soutien, on ne peut pas donner la visibilité à ce mouvement et à nos artistes. Voilà. Cette année, le premier va être relevé encore, avec des nouvelles catégories qui s'ajoutent. On est très content de partager ce moment avec vous. Et puis, on va faire en sorte, en tout cas, M Group fera en sorte que chaque année, on puisse donner des maisons. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, merci d'être venu. Merci de votre disponibilité. Puis, on va laisser la parole à notre partenaire avant que M. Nyolo, qui est représenté ici aujourd'hui par M. Sungalo. Voilà. Voilà. Alors, pour nous, c'est une grande joie hein, d'être à cette cérémonie de remise. Chose promise, chose due. On est là aujourd'hui donc pour accompagner M Group à honorer les engagements pris devant tout le monde, devant la nation, et encourager les artistes à toujours participer et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Féliciter aussi encore une fois Serge Benoît qui a été vainqueur cette année. Et quand on est vainqueur, ça veut dire c'est qu'il va peut-être fournir plus pour aller encore chercher le prix de l'édition 2019. Félicitations encore et bravo à M Group pour cette belle cérémonie, cette maison que nous allons visiter. Et merci aussi à la presse de toujours nous accompagner sur cet événement et de faire loco pour montrer aux yeux du monde que la maison ou la promesse
tient et que l'artiste va rentrer en possession, bien évidemment, de ce qui avait été promis. Félicitations encore une fois et que vive le Prémude 2019. Alors, avant que la presse, je sais que normalement, en temps réel, il ne doit plus avoir des séries de questions. Tout est là, les preuves sont là. Mais comme nous sommes tous journalistes, on a toujours des questions à l'horizon. Avant la série des questions, on va donner la possibilité maintenant au lauréat, c'est-à-dire le grand prix qui a été remporté par M. Serge Bruno. Je vous demande d'abord d'applaudir, s'il vous plaît. Dans le conducteur, tu n'as pas dit qu'il devait prendre la parole. Ah. Émotion. Moi, j'attendais la première partie, il doit prendre les clés. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça que je suis là. Il a dit quoi, bon. Bon, tout ce que j'ai à dire, c'est merci. Merci à M Group, merci à MTN, merci à tous les journalistes qui sont là. En tout cas, pour répondre à ta question par rapport à l'édition qui arrive en 2019, il ne faut pas avoir peur, je vais prendre ça encore. Voilà. Je vais prendre ça encore. Donc, tout ce que je souhaite pour cette prochaine édition, c'est que tous les artistes puissent venir et qu'on puisse ensemble compétir. Ok, c'est juste une compétition, il n'y a rien de... Hein, c'est pas une guerre, mais bon, c'est aussi une petite guerre. Donc, 2019, je vais prendre ça encore. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à M Group, qui est une société très crédible, merci. Qui a fait de son mieux pour pouvoir livrer la maison, même si ça a pris plus de temps que prévu, il a dit. C'est pas de sa faute, c'est non plus pas de notre faute, ce n'est la faute à personne. La maison a pris le temps que ça doit prendre pour être disponible. Donc, on a su être patient. Et comme on dit, tout vient à point nommé à celui qui sait être patient. Voilà. Ouais. Merci infiniment, on est ensemble et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le côté des Californiens. Merci. Alors, la parole est libérée à vous les journalistes. Série de questions au CO. Oh, 5 minutes de série de questions. 5 minutes. Oui. Oui. Je suis Anisa de Vibe Radio et Top Visage. Est-ce qu'on peut avoir le coût total de la maison? Le coût, on n'a pas calculé parce qu'il y a le coût de la maison et après il y a les ajouts qui sont faits. Et puis très honnêtement, ouais, on ne l'a pas fait. Mais la maison a un coût qui avoisine entre 20 et 25 millions en tout cas, sur le prix de la maison qui est offert. On est entre 20 et 25 millions. Et puis bon, le lauréat, quand il prend la maison, il va faire des travaux aussi, c'est sûr. Il va mettre ça à son coût, tout ça. Donc après, le coût, quand Benoît va finir de faire cette dépense, il va vous dire le reste. Parce qu'effectivement, quand on lui donne l'attestation de fin de paiement, avec l'attestation de fin de paiement, tous les documents qu'il faut, il faut que nous on passe au notaire pour lui céder. Il y a un contrat qui dit que ça lui appartient depuis le premier jour des primudes. Ensuite, à la fin de l'aménagement de tout ça, on vous donnera le coût. Mais le but n'est pas le coût. Voilà. Je veux dire, on ne va pas rentrer dans ce genre de jeu-là. Si on a trouvé studio à quelqu'un pour lui donner, tu as vu ça avec ton talent, au oh, Dieu merci. Voilà. Question. Ma question va à la droite de Serge. Alors, tu reçois les clés ce matin. À quoi ça va servir la villa? Quand c'est Moula là, tu dis vous, mais moi c'est tu. Quand tu dis trop ta camarade, toi. Réponds-moi la question là. Vous recevez la villa ce matin, les clés de la villa ce matin. À quoi elle va servir? Merci pour la question. J'avais fait une promesse à mes fans, j'ai dit que cette maison, je vais la transformer en centre d'alphabétisation et c'est ce que je vais faire. Donc, de la même façon, vous avez laissé le temps à Mola de pouvoir livrer la maison. Laissez-moi le temps aussi de me préparer pour pouvoir faire le centre d'alphabétisation. Pourquoi vous avez commencé à me stresser parce que vous, on vous connaît. Ouais. Voilà, une promesse, c'est une dette, j'ai promis, je vais faire. Mais ça va prendre le temps que ça va prendre. Voilà. Non, et puis en plus, dans le quartier, il faut déjà que tout soit loti, tout ça pour amener les gens ici. On ne va pas poser les gens ici comme ça. Et puis, voilà, une promesse, c'est une promesse. On laisse le temps aux gens de faire. Il n'y a plus de questions? La dernière. Tout bouche que vous étiez en train de parler. La dernière. Sur la route, là. Très rapidement. Oui. Arnaud Gaza, le nom de pièce. Et puis, secondo, quel est le temps prévu normalement pour la livraison? Le temps prévu, normalement, on était sur du janvier. Hein. Après, ça a bougé. Après, oui, mais au moins, on était sur du janvier. Vous savez, c'est un promoteur immobilier.
Et pour ceux qui font l'actualité politique, il y avait eu des troubles un peu à son compte, qui sont indépendants de notre volonté et indépendants de la volonté du promoteur. Parce que ce sont des troubles sur des terrains fonciers, etc., du village à là, à là. Et donc, on n'allait pas rentrer dans certaines polémiques en disant qu'on ne peut pas avoir accès au site, on ne peut pas avoir accès là, on peut pas. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est la maison. Voilà. Elle est là. Et l'année prochaine, ça va prendre du temps. Mais on va toujours faire en sorte que, avant l'édition qui suit des primudes, on puisse donner cette maison. Et je pense que même l'année prochaine, même le gagnant, on va attendre la même période parce que ça se rapproche aussi de notre événement. Le nombre de pièces ? Le nombre de pièces, je ne compte pas, tu vois. Il ne veut pas avoir double gourmet, on a fini de payer, on va compter encore maison. Maison ne nous appartient pas. Demandez-moi chez moi, je vais vous dire le nombre de pièces. Ici, je ne sais pas. Non, ici, vous aurez l'occasion de visiter tout à l'heure. Et honnêtement, il y a trois chambres, trois belles chambres. Il y a un salon. En fait, vous allez voir tout ça tout de suite. Quoi. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je pense bien que pour la série des questions, c'est terminé. On va passer maintenant à la poupée du ruban. Pour les familles. Pour vous donner aussi la possibilité de visiter. La famille est là-bas. Cette après grande la maison. Après la coupure. Juste après la poupée du ruban. On y va. Il est parti. Ouais. Il va devant la même pour monter. Ils sont pas là-bas. Oui. Le ruban, c'est le président. T'as peur? C'est toi, c'est Tris là, c'est vous? Pas la maison, mais oui, mais il y a un problème. Moi, en même temps, il y a pris un truc dans le quartier. Le riva est passé si fraîche. Le riva est ça, le même jour. Comment on fait casser pas de maison et venir comme ça, la clé. Là-bas. On va lever les vaisseaux tout à l'heure. Attends, si tu n'as pas chez un pote aujourd'hui, à demain, on va aller les vaisseaux. Tu as mis ma couleur que j'aime là. Ta couleur là, vraiment. Ta couleur préférée, tu as mis ça là-bas. Parce que je commence à commander ma couleur là. La couleur là. Le prochain là. Ouais, pour le. Ouais, je vais prendre ça encore là. C'est que les gens. Les gens ont pris. Ouais, attends, mais tu vas en guerre et puis tu t'as fait. Ah, vraiment. Moi, il vient pour gagner. Donc, on a besoin que je gagne. Tu as peur. Pas tomber vous. On devait faire 24 minutes d'or, sûrement, vous avez mis 17 minutes, tout ça, on ne peut plus prendre la bâche. Attends, mais qu'est-ce que ça? Ça va quand rester là? La bâche. La bâche, elle va quand rester. Ouais, c'est lui qui veut. Bon, mais le tout malo, on va attraper ces deux-là. Ça. Là, on fait le décompte de 2 à 0. C'est pour la belle manière, vraiment. Voilà. Qui rentre privé?
Confirmation toujours. Non, quelqu'un peut pas rentrer dans ma maison avant moi. Non, c'est Benoît qui rentre d'abord. Laissez-moi, je mets les doigts où. Benoît, confirmation. Voilà. Allez. Je suis obligé d'avoir de la traîne. Voilà, c'est pas qu'il y a un peu de temps. Allez, vas-y. Est-ce que vos pieds là, ne stabilisez pas ici? On a promis à toi. Voilà. C'est un vrai carreau. Bon, qui fait la visite là? Venez me dire. Bien. Avec le jardin, il y a un jardin. Oui, il y a un jardin derrière. Un jardin qui contourne la maison. Mmh. Ah. Okay. Bon, il n'y a pas de fleurs. Un jardin qui contourne toute la maison. Comme ça. Je vais vous laisser l'espace de ma clôture en même temps. Ouais. La clôture, ça commence comme ça jusqu'à à la fin de ta maison. Mais c'est bien. On va se faire. Après, je vais sur la pression.